C'est quoi le... Cette nuit, je te laisse pas rentrer. Quoi? Quoi? Et ton bureau, oh. Ça va? On était super inquiets pour toi. On a eu peur que tu t'en tires pas. Je suis tellement content de vous voir. On peut vraiment voir des fantômes? Fantômes! Vous êtes là? On peut vraiment... Décidément, c'est la série en ce moment. Le cimetière des trains qui est fermé, le réacteur Mako qui explose. Ils ont fermé le cimetière des trains? Quelqu'un se serait fait attaquer par de drôles d'ombres. Alors la milice a décidé ça en urgence. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de garder l'entrée? Personne va aller dans un cimetière de train en pleine nuit, franchement. Beaucoup de gens croient à cette histoire de fantômes. Ça pourrait attirer les curieux. Le type de Smitty, il affirme que ce sont pas des créatures qui l'ont attaqué, mais bel et bien des fantômes. Il a halluciné, c'est tout. J'ai super faim. J'aimerais bien manger un bout ici avant d'entrer. Ah bah juste... J'ai vu l'explosion, ils l'ont montré à la télé. Je sais. Comment ça s'est passé ici? La plupart des gens sont inquiets. Vous êtes sûr de pas avoir vu mon mari? Désolée. J'étais trop préoccupée. C'est quoi le point commun entre un réacteur Mako et un mec comme moi? S'il vous plaît. C'est que quand on est pété, on fait chier tout le monde. Et puis, il y a trop de gens qui dépendent de nous. Viens, trouvons un endroit plus tranquille. D'accord. Mais le seul coin tranquille ici, c'est le cimetière des trains. Il paraît qu'il y a des fantômes là-bas. Oh non! Pas des fantômes! Hein? Il n'y aura plus aucun train pour aujourd'hui. Nous ferons une annonce concernant la reprise du trafic. Bonne idée. Il est resté sur la place. Il regarde les informations à la télé. Il faut que je suive ça, moi aussi. Je faisais des heures sup au secteur 1. Je me suis tout de suite enfui. Et tu sais à quoi je pensais pendant tout ce temps? Non, à quoi? Et si on le réparait, on n'a rien de temps. Je te souhaite bon courage, papa! Oui, compte sur moi. Mon plat préféré, c'est leur menu spécial. Les marquets frits. Ça fait du bien de boire un coup. Ouais? Oh. J'ai bu un truc un jour à Walmart. C'était un véritable nectar des dieux. On n'a pas ça ici. Que j'attends juste plus tôt. Hey. L'incendie était vraiment super impressionnant. Je me demande qui sont les criminels. Moi, j'ai ma petite idée. Tu sais, ceux qui mettent ces affiches. Avalanche. Ce nom me dit quelque chose. Ça devrait changer les choses, maintenant. Oh. Ouais. Mmh. Il y avait des gardes partout. Ils patrouillaient à la recherche des criminels. Il y avait même des hélicos qui tournaient au-dessus du quartier. C'était la folie, là-bas. J'aurais bien aimé voir ça. Oui? Le réacteur Mako... Il y avait des explosions partout dans le secteur 8. La Mako est le sang de la planète, bla bla bla. On a beau arracher ces affiches, elles reviennent tout de suite. Ils se font un peu trop de films à mon goût. Mais en tout cas, ils sont persévérants. C'est pourtant magnifique, cette structure. C'est presque de l'art. Oh. Hey, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? T'es intoxiqué à la Mako? Oh. Oh non, ça recommence. Je suis couvert de poussière et de suie. Et en plus, je suis complètement crevé. J'ai vraiment hâte de prendre une douche. Moi, j'ai surtout besoin de me remplir l'estomac. Et toi, Jessie? Je vais peut-être faire le point sur la mission. Quand même bien leur poser une question.
Désolé. Pour des raisons exceptionnelles de sécurité, cette zone est actuellement interdite au public. Je suis navré. Tu peux pas être plus autoritaire ? D'accord. Pour des raisons de sécurité, cette zone est interdite au public. Passez votre chemin. C'est encore trop mou. Pour des raisons de sécurité, cette zone est interdite au public. Circulez. En cas de refus, vous serez arrêté. Ah, voilà, ça c'est mieux. C'est pas possible. Mais c'est là où je travaille. J'arrive pas à y croire. Mais dépêchez-vous d'éteindre le feu. J'y étais hier encore. Hein? Si vous désirez de l'aide pour vous déplacer jusqu'à l'infirmerie. Le maire Domino, en collaboration avec le président Shinra, ont annoncé une mise en place de mesures d'urgence. La Shinra... Ah, je vois que tu t'es amélioré. Tu pourras bientôt les réparer tout seul. Mon rêve, c'est d'ouvrir mon propre garage un jour, pour pouvoir faire venir mes parents à Midgard. T'as raison, c'est important d'avoir des rêves. Marlène. T'es enfin rentré, papa. V'là la plus belle. On vous attendait. Alors, t'as été sage? Oui, j'ai joué avec Tifa. Ouh, c'est bien ça, tu t'es pas ennuyé, je vois. Ça a l'air d'aller. Cette fleur, tu l'as où? Ah. On dirait une vraie. C'est rare, tu sais. Hein? Je m'y attendais pas. Ça prouve bien que t'as beaucoup changé. C'est normal, non? Ça fait au moins 5 ans. Bon, faut que je parle à Barrette. Ok, vas-y, entre. Il y a un réacteur Mako qui a explosé. Il parle que de ça à la télé. Marlène, t'en fais pas. Papa va rester avec toi ce soir. On va éteindre la télé et on va aller faire dodo. La Shinra et les autorités de la ville font tout ce qui est dans leur pouvoir pour fournir des vivres et de l'aide médicale aux citoyens touchés par les récents événements. De plus, ils ont également promis de mettre tout en œuvre pour trouver les coupables de cette attaque. Les autorités devraient bientôt être en mesure d'identifier les responsables. Une récompense est prévue pour toute personne pouvant apporter des informations utiles à l'enquête. Veuillez vous adresser à la milice la plus proche ou au poste de garde principale de la Shinra. Je dois finir de ranger. Et si t'allais jouer avec Marlène? Moi? Oui, bien sûr. Pour ta récompense, vois ça avec Tifa. C'est elle qui tient les comptes. Bordel! Hein? Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi elle a eu peur comme ça? Je fais comme tu m'as dit, je parle pas aux inconnus. Ah. T'as bien raison, ma fille. Et je vois que t'as pas oublié la promesse que t'as faite à papa. Allez, c'est l'heure du dodo. Hein? On va gentiment se mettre en pyjama. Non, je veux parler un peu avec toi avant.
monde, c'est bien parce que t'as été sage. Ah, au fait, tu veux manger un truc? Non, je voudrais toucher ma paye. Oui, c'est vrai. À ce propos, Cloud, tu veux pas aller parler dehors? Si, papa. Les gens qui sont morts, ils sont retournés à la planète? Oui. Va pas encore faire peur à Marlène! Si tu veux parler avec Marlène, essaie au moins d'être un peu plus souriant. J'ai quelque chose à te proposer d'abord. Comme tu viens d'arriver, je t'ai trouvé un appartement. C'est pas très loin d'ici. Ça te dirait d'y habiter quelque temps? La propriétaire soutient volontiers nos activités. Le loyer est gratuit. Ouais, ça m'arrangerait. Viens, suis-moi. Alors, comment c'était là-haut? À vrai dire, c'était le chaos. Tu m'étonnes. Excuse-moi de t'avoir mêlé à tout ça. Ils en ont parlé à la télé. J'aurais dû un peu plus réfléchir au risque. Pas la peine de t'inquiéter pour moi. J'ai l'habitude. Au fait, tu t'es d'accord. Fait par un et je comprends votre haine pour la Shinra. Non. Tu ne t'es pas disputé avec Barrett et les autres? Non. Mais je saurais pas te dire ce qu'ils ont pensé de moi. Je vois. J'étais un peu inquiète. Parce que t'étais très bagarreur autrefois. Ouais, c'est possible. Les images du secteur 8 étaient impressionnantes. On aurait dit un film catastrophe. Les infos sont contrôlées par la Shinra. Ces types n'hésitent pas à déformer les faits. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, ça va affecter... Ils ont exagéré les dégâts? Non. Ah, je vois. C'est ici. La résidence Vue Céleste. L'appart est en haut. Pour info, j'habite dans l'appartement 201. Mais comme je suis presque toujours au bar, c'est juste pour dormir. Et je n'ai même pas pris le temps de décorer. C'est l'appartement 202 qui est libre. J'ai pris les devants et j'ai déjà parlé de toi à la propriétaire. T'as dit quoi? Ça t'inquiète? J'ai dit que j'avais un ami d'enfance qui cherchait un endroit où se loger, c'est tout. J'aurais pas dû. Si, c'est bon. Et là? Ah, là... Il est un peu tard, alors on fera les présentations demain. Je risquerai de déranger. On verra demain. C'est pas le grand luxe, mais ça te fait quand même au moins un endroit où dormir. S'il te faut autre chose, dis-le-moi. Ouais, j'ai besoin d'argent. Vous m'aviez promis 2000 guilds. Pour ton premier boulot de mercenaire avec nous, j'aurais préféré pouvoir te donner tout d'un coup, mais... Quoi, c'est tout? La mission nous a causé pas mal de dépenses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses d'Avalanche. Mais faut pas t'inquiéter, je vais en collecter demain.
Je pourrais te payer tout ce qu'on te doit. T'auras vraiment tout l'argent? Tu peux m'accompagner pour t'en assurer. Ah, mais... si tu faisais ça, faudrait que je te paie un supplément. Non, ça va. Je me contenterai de 2000 guilds, comme convenu. Ce qui veut dire que tu me devras que 1500. Affaire conclue. Bon, on se voit demain au bar. Je te remercie encore pour tout. Repose-toi bien. Ça vient du 203. Hey, tout va bien? Je vais ouvrir. De temps en temps, à la demande de la propriétaire. Si t'as un peu de temps, tu pourras m'aider. Ouais. Tiens donc, j'imagine que tu es le fameux Cloud. Hein? Je suis Marle, la propriétaire. Alors, tu es arrivé hier soir? Tu vivais sur le plateau? C'est compliqué. Tu as des secrets. Après tout, c'est le cas de tous les gens qui atterrissent ici. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me le dire. Même au sujet de Tifa. Tifa a des ennuis? Non, c'est juste que je ne veux pas qu'on lui en cause. Tu vois, je la considère un peu comme ma petite fille. D'accord, je vois. Allez, dépêche-toi donc d'aller au 7e ciel. Tifa est partie travailler depuis un bon bout de temps. Allez, arrête de rêvasser. Dépêche-toi plutôt d'aller au 7e ciel. Dis donc, tu n'as quand même pas très bonne mine? Tu as bien dormi au moins?
La Shinra va perdre alors? Mais non, ce n'est pas la destruction d'un seul réacteur qui va l'affaiblir. Et les membres d'Avalanche. Mon mari est reparti faire un tour à la gare pour voir s'il y a du nouveau. Cet attentat a foutu un beau bordel. Les gens vont se dire s'ils venaient s'installer ici, la vie pourrait s'améliorer au bout d'en ville. Tu te fais des films. Chatouille avec des plumes. On avance dans. Si tu veux voir le. Il a vraiment peur de rien. Si t'es debout au deuxième balcon, ça reste abordable. Vous êtes déjà allé jeter un œil du côté de la rue des tuyaux? Bien sûr que non. Pourquoi on irait dans un repère de crapules? C'est juste quelques vendeurs. On y va? T'es sûr? Essayons de négocier. Je sais pas trop si j'ai envie. Qu'est-ce que tu veux? Les trains restent paralysés, on pourra plus s'approvisionner. Les autres sont allés à la gare pour voir où ça en est. À ce rythme-là, on commencera à manquer de plein de choses d'ici. Je mange avec Barrett, de temps en temps. À première vue, il fait un peu peur, mais c'est un chic type. Allez, je peux le faire!